C'est de la torture de rêver de ça, puis de se réveiller. T'as failli me faire peur, espèce d'enfoiré! Un vrai dur à cuire, nom de Dieu! Hé, hey, chien! Va chercher! Soldat Wyatt, merci. À tout à l'heure, mon capitaine. Bon, ça fait des années qu'on n'a pas été aussi près du général Strasse. On élimine le boucher, on paralyse la machine de guerre des Fritz. C'est pas vrai, c'est lui! C'est le boucher! Aidez-moi à choisir. Regardez en direction de celui que vous voulez que je dissecte. Je croyais avoir tout vu, mais je ne connaissais pas la vraie cruauté. Jusqu'à maintenant. Oh, puis de signe. Bien. Bon travail, Blaskovitch. Allez, viens! On fout le camp d'ici! J'aperçois quelqu'un. Elle s'appelle Anya. Elle prend bien soin de moi. On est en 60. Les États-Unis, ils se sont rendus il y a 12 ans maintenant, après les bombardements nazis sur leur pays. Dans un train pour Berlin. Très beau visage à rien. Où sont les combattants de la résistance? B.J. Blaskovitz. Tu es donc en vie, Caroline? En vie, mais obligée de chier dans son putain de sac. Il pense que la guerre est finie, que nous sommes faits, que nous n'avons pas le cran de nous opposer à eux. Et comme toujours, ils sont dans... C'est Trosse. Selon les registres officiels, il a été détenu et envoyé dans un camp de travail. C'est vous, c'est Trosse? Je ne suis pas décidé. Que savez-vous de c'est Trosse? Vous êtes de la Datichute, source de la technologie nazie. Je viens vous sauver. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, l'ami. Moi, c'est pour Vate. William J. Blaskovitz, fais gaffe à toi. Personne n'est quitte. Maxos! C'est réciproque, Max! Max n'aime pas la violence et il ne veut pas qu'il y ait de blessés. La Datichute est une société mystique antique. Nous inventons des choses. La technologie mise au point par la Dacirud a des siècles d'avance sur tout ce que vous avez pu voir. Ou imaginer. Ravi de te retrouver, Blaskovitz. C'est votre vieille amie Frau Engel qui mène l'attaque. Le boucher doit l'avoir promu pour sa méticulosité dans le camp. Hé, hey, capitaine! Vous avez volé le marteau d'Eva! C'est le sous-marin le plus puissant de toute cette satanée flotte allemande! Tu rentres dans la base le plus vite possible. On raye le boucher de la surface de la Terre. Le boucher? J'aurais dû tuer Stipe il y a longtemps. Je vous ai pris près de vous. Capitaine, on est en position. Le canon nucléaire est armé. Permission de tirer? À Dallas pour le travail. Oh, pauvre petit, il t'a vraiment amoché. Reste tranquille, repose-toi. J'ai de la soupe et du porridge. Qu'est-ce que tu préférerais? Allez, capitaine, choisissez pour moi. Vous êtes têtu, capitaine Blaskovitz. Une belle qualité. En ce qui me concerne, je suis extra... Anya, c'est la cible. Je le vois. Caroline, par ici. William. T'es vraiment trop bête. T'as vraiment cru qu'on allait te laisser ici. Putain de merde. Il a les tripes à l'air. William, oui. Ah, c'est pas bon! On le met dans l'hélico! Doucement, doucement!
Je suis heureux d'avoir terminé le travail pour lequel on m'a envoyé sur Terre. Entouré de gens qui m'aiment. Aucune idée de ce que c'est que souffrir comme moi, je suis. Bon, bait, on est sorti. Feu ! Oui, madame. Il suffit de son sang plus vite ! Une vague de chaleur m'envahit. Serviette ! On dirait que le ciel est en feu. Caroline, il meurt ! Appuyez ! Elle devient tout bleue ! Bon, bait, une civière dans le hangar. HPA 90. J'entends la faucheuse. Elle hurle mon nom. Blazkowicz. Salut, ma grande. Désolé de t'avoir fait attendre. Laisse-moi te montrer quelque chose, Billy. Mon père m'a demandé de donner ceci à mon fils. Si un jour j'en avais un. C'est une alliance. Elle est dans notre famille depuis 8 générations. Tu te rends compte, mon Billy? C'est ce qu'on appelle un bijou de famille. Quand tu rencontreras quelqu'un de spécial, tu la lui mettras au doigt. Cette bague est d'une grande valeur. Ne parle pas de l'anneau à ton père. Il n'est pas au courant. Tu le connais, il le prendrait sûrement. Novia ! Mère, suis-je acquitté ? Ai-je été juste et bon ? Assez bon pour être admis au paradis. T'as aucune idée de ce que c'est que souffrir comme moi je souffre. Oh non, mère. C'est l'enfer qui m'attend. Tirez, tirez, Bombait. Je vais devoir couper la plus grande partie de ses intestins. Faites ce qu'il faut, cette pitié. Reste avec nous, Blazkowicz. Sors vainqueur de ce combat. Et alors, je te promets, je te jure... Il est dans là. Faites venir quiconque peut donner du sang. Vite. Écoutez-moi. Toi et toi. Ramassez tout le monde et dites-leur de faire la queue à l'infirmerie. Bougez-vous. Il me faut de la lumière. Reste là sans un bruit. Nofia, il est là. Non. Dégage, Nofia. Il ne mérite pas ça. Tu le sais bien. Te fous pas de ma gueule. Je l'ai vu avec elle. Il est jeune. Il l'aime bien. Il ne comprend pas encore. Il sait parfaitement bien qu'il ne doit pas perdre son temps avec une putain de sale négresse. Je ne te laisserai plus faire de mal à mon fils. Plus jamais. Tu n'as aucune idée de ce que j'endure. Oh, Sophia, je me décarcasse tous les jours. Je me fais grappiller ma thune à droite et à gauche. Je me fais humilier juste pour garder mes affaires à flot. Je les ai vus tous les deux, Sophia, bon sang, à se faire des papouilles sous le peuplier. C'est pas tolérable. J'ai travaillé beaucoup trop dur et bien trop longtemps pour perdre ma réputation parce que mon petit s'est amouraché d'une négresse. Rip, on ne peut pas vivre comme ça. Moi, je cuisine, je nettoie, je m'occupe de l'étable et des champs. Tu n'es pas le seul à souffrir. Tu aurais dû mettre la clé sous la porte, comme mon père te l'a dit. On a des dettes énormes. 3 mois de retard pour l'électricité, sans parler du fait que tu as perdu tout l'argent que mon père avait investi. Tu joues avec le feu, Sophia. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis pas vraiment le genre de gars avec qui tu peux te la ramener. Et tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. J'ai épousé un homme qui n'aurait jamais laissé sa famille avoir faim. Je jure que je ne te laisserai plus jamais toucher un cheveu de mon fils. Ferme ton caquet ou c'est moi qui te le ferme. Plus jamais. C'est quoi votre problème à vous, les Juifs? Vous avez réponse à tout, hein? Quand je t'ai épousé, je pensais que ton père me servirait de tremplin. Mais en fin de compte, t'es qu'un boulet. Tu colles ton nez dans mes affaires au lieu de te mêler des tiennes. Si t'es pas capable d'élever notre fils, eh ben je vais m'en charger. Va-t'en. Ah.
Espèce de sale... Caché dans un placard. Tu me donnes envie de gerber, voilà tout. Vas-y, continue, petite merde. Tu lances comme une fiotte. C'est tout ce que t'as, petit. T'es tellement faible. Ils vont te chercher des poux. Ils vont te briser. Ils te font bouffer de la terre. Et qu'est-ce que tu feras? Tu peux même pas te défendre. Mais au moins, je peux te montrer comment finir avec ta vie. Respire doucement, Blazkowicz. Récupère tes forces. De grandes choses se préparent. Le vent va tourner. Le cercle de Kraïso se lève. Et j'aurai besoin de toi à mes côtés quand nous frapperons. Tu sens les coups de pied? Oui, t'es une gentille fifille. Oui, Bessie, t'es une gentille fifille. Tu peux gémir autant que tu veux, t'iras nulle part. Dans la vie, on prend des décisions difficiles. Et parfois, il faut punir les animaux qui nous entourent. C'est tuer ou être tué. Les vieux et les faibles sont condamnés. Toute cette racaille, ces ordures, ces cancres-là qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour dérober à l'homme blanc tout ce qu'il a gagné. C'est à nous de remettre de l'ordre dans tout ça. C'est à toi. Le doigt sur la détente. Allez, comme ça. Et maintenant, tire. Allez, tire. Souviens-toi, mon garçon. Tout ça finira mieux que ça n'a commencé. Qui c'est ça? C'est moi? C'est moi, ça? Les vieux et les faibles sont condamnés. C'est vous. Prenez ça. Ils viennent pour vous. Et merde! Ils sont là. Ce sous-marin est à nous maintenant, sale nazi. Tu le reprendras pas. J'arrive.
Ne bougez plus d'ainsi tant que vous n'êtes pas autorisé, compris. Compris, ne lâchez même pas une caisse. Les micro-ondes pour les micro-ondes ont bouilli et vous n'avez pas entendu ça. Pas vrai? Ok, attendez. C'est bon, allez. Allez, venez. Vite, vite, vite! Voilà. Un, deux, trois. En Wiedersehen, K de Drake. Monsieur Blaskowitz, je suis très heureux de vous voir réveillé, mais beaucoup moins Anya, de vous voir debout. Où est-elle? La dernière fois que je l'ai vue, elle était avec Caroline en train de défendre l'ascenseur du kiosque du sous-marin. Montrez-moi la direction, Seb. Ingle, vous savez que vous avez passé 5 mois alité? Votre corps est brisé. Vous comprenez? Vos reins ne fonctionnent plus. Vous allez avoir des problèmes pour uriner, utiliser votre Schmeckel et pour plein d'autres choses. Moi juste. C'est Frau Engel. Elle vous suit à la trace. Elle a remué ciel et terre et aujourd'hui elle vous a trouvé. Les nazis sont entrés dans le sous-marin. Il y a beaucoup de blessés et de morts. J'ai été séparé des autres. Je dois y aller. Non. Non. Akminishkan Chining, je vous ai dit non. Aidez-moi à trouver cet ascenseur. Vous n'êtes qu'un auction, un vrai auction. Bon, écoutez, il y a des tas de nazis entre ici et l'ascenseur, mais j'ai posé plusieurs pièges et je n'ai pas eu le temps de les activer. Regardez, c'est une carte qui indique où se trouvent les pièges. Utilisons-les contre ces vers 4 fascistes. Ok, ok, faites attention. S'il vous plaît, essayez de ne pas vous faire tuer. C'est parti. Vous vous trompez. Ce n'est pas vous qui me traquez, Frau Engel. C'est plutôt moi qui vous traque. Au bout pour garder les autres en vie jusqu'à ce que j'arrive. Ce n'est pas vous qui me traquez, Frau Engel. C'est plutôt moi qui vous traque. Caroline, où que tu sois, va jusqu'au bout pour garder les autres en vie jusqu'à ce que j'arrive. Thank you.
Et c'est parti. William, j'ai prié pour que tu te réveilles. Je suis un fardeau. Ne sois pas idiot. Bon. Il faut te relever. Tu as pris beaucoup de poids. Seth pense qu'on aura des jumeaux. Pas maintenant, Kindala. Vous aurez le temps pour Schmutzerei si vous survivez. Pour l'instant, il faut vous emmener dehors, sur le pont. Allez, sur le pont. Attends, William. Scheiße, Max! Scheiße! Tire! Tu tires bien, Max! Souris! Caroline. So ein böser Junge mit einer Waffe? Loslassen! Sigrun, warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ah, das weißt du nicht? Die da, abführen zum Verhör! Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht und deine Diät nicht eingehalten. Vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines... Du dumme Kuh! Du bist eine Schande für deine Rasse! Und für deine Familie! Was werden die Leute sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Generalstochter! Was für eine Schande! Los! Warte, ihr Alten! Du hast nicht mal eine Backpfanne wert! Er ist da oben. Da bin ich mir sicher. Abmarsch nach drinnen! Ja, Mutter. Los, vor ihm, ne? Je vais la tirer dehors. Dégage-toi. Je m'adresse aux terroristes et assassins. William Joseph Blazkowicz, qu'on appelle aussi Blazko le Marché. J'ai l'intention que parmi la vie de tous ceux qui se trouvent sur votre navire, si vous vous rendez, les portes sont ouvertes. Venez seul.
Je suis demandé, on dirait. N'y va pas, William. Ils détiennent nos amis. Notre sous-marin est pris au piège, on ne peut rien faire. Vous avez raison. Mais une fois là-haut, vous devez trouver un moyen de libérer le sous-marin. Je ne veux pas te perdre. Tu es faible, William. Tu n'es pas en état de te battre. Je trouverai un moyen. Tressa ! Arrête ! Tu comptes nous renverser avec ta petite chaise roulante ? Da ist er ja. Gut. Runter mit der Rüstung. Enlevez vos sales patins! Schnauze! Comme c'est amusant. Le cerveau de la résistance rampant comme une vermine. Blaskowitz, tu es réveillé? Oui, plus ou moins. Je suis venu te chercher. Comment sens-tu, Caroline? Je ne sais pas comment elle nous a trouvés. J'ai merdé quelque part. Elle est remontée jusqu'à nous. J'ai tout foutu en l'air. Alors comme ça, on se prend pour un héros, William Joseph Blaskowitz. Relevez les clopés! Je vais te dire un truc. Tu n'as rien d'un héros. Il n'y a que les rats dégénérés des bidonvilles pour t'admirer. La lie de l'humanité croupissant dans le ghetto. Mais tout ça changera dès qu'ils t'auront vu. Je devrais te montrer à la télé à travers le monde entier. Franchement, me dites pas que c'est un sac qui ressemble à un héros. Un misérable cafard qui pisse dans un tube. Tout le monde verra bien quelle arnaque tu fais, toi alors. Lâchez-le. Dankeschön. Oh. Sixième crabe. Inclinez-vous. Joue pas à la conne. Tu sais que la résistance ne s'incline jamais. Mutter! Ah! Sigun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie... Aber du hast gesagt! Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker! Und was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons. Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast. Du willst sie befreien? Gut. Nimm! Nimm! Mach schon. Befrei ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast mein Tagebuch gelesen. Lenk mich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Los, los! Los, 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 los! Fais pas ça, Fillette! Sag zu! Ich kann nicht, Mutter. Mach schon! Nein! Ich kann das nicht! Mein Tagebuch mit Perversion und verräterischen Worten vollschmieren. Das kannst du! Einige davon waren sogar auf Englisch! Page après page, tu déverses ton esprit malade pendant que ton corps bouge. Cette graisse, on dirait un faux marin! Tu ne comprends donc pas la position dans laquelle tu m'as mise? La loi m'oblige à te dénoncer! Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Baker. Leader du cercle de Kreisso. Cerveau du groupe criminel. N'abandonne jamais Blaskowitz. Oh. Ne les laisse jamais gagner. Je ne crois pas. Je pense que...
Tu n'es rien d'autre qu'un Je vais vous buter. Vous avez vu ça? C'est pas vrai. Il va marcher le maestro. Regardez ça. C'est tellement étrange. Elle était là, il y a juste un instant, et maintenant plus rien. D'après vous, est-ce que ses yeux se sont un jour remplis d'amour pour quelqu'un? Un baiser, mon cher? Das ist nicht komisch. Willst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast, auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht lieber hier unten, ha? Zwing mich nicht. Zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Bring ihn her. Un autre vieil ami à toi, je crois. Je vais te tuer. Mutter, bitte hör auf, es reicht. Aus dem Weg! Ja. Nein! Monsieur! Ça va, Blasco? J'ai connu mieux, mais je crois que j'ai stoppé l'hémorragie. Donne-moi une raison pour ne pas exploser ton putain de cervelle là tout de suite. Mais explique bien, j'ai un peu de mal avec tout le sang que j'ai perdu. Je peux vous aider. Je peux vous donner des informations, des secrets des militaires. Je peux vous dire comment on dirait votre sous-marin. Il y a aussi des navettes d'évacuation par ici. Je connais le code pour y accéder. Attends. Tu as la salle de commande. Des bras électromagnétiques. C'est là que vous pourrez les désactiver. Et ça relâchera votre sous-marin. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Oui. Bon, Blasco. Tu fonces là-dedans. Tu trouves la salle des commandes et tu libères notre sous-marin. Je suis désolée pour votre ami. Tu peux la fermer. Un type qui perd un bras et qui continue comme si de rien n'était, moi, je dis que ça se respecte. On peut faire beaucoup de choses avec une hachette et un nazi. Caroline, tu me reçois? Avant que tu n'ailles là-haut, je t'en prie, veille sur nos hommes. Moi, je m'occupe de ça.
nous a appris pendant les classes. Éliminer les commandants en premier. Ah, quel... Odin, système de sécurité automatisé. Ce réservoir a l'air explosif. Je me suis trouvé une nouvelle sortie. Achtung, Explosion in der Hangarboot. Sicherheitskamera im Bereich Unfallzug untersuchen. Wiederhole, Explosion in der Hangarboot. Celle des commandes. Et voilà. Accrochez-vous si vous...
Tournez-le sur le côté, monsieur Pompeii. Sur le côté. Ensuite, vous faites comme ça. Avant en arriver. Toi, Max. Il a réussi. Allez, nous devons nous immerger au plus vite. Vous avez réussi, monsieur Blazkowicz. Ishakoe, Engel, Ishakoe. Caroline, j'ai libéré le marteau d'Eva. Maintenant, je rentre chez nous. Ça m'ennuie de te le demander. Mais voudrais-tu bien me prêter tes ailes un peu plus longtemps ? Je recharge ce truc quelque part. Voudrais-tu bien me prêter tes ailes un peu plus longtemps ?
Sie wird die Rettungsboote! Zu spät! Allons-y. Arrêtez de trembler, vous voulez quelque chose pour la douleur? Non, je vais m'en remettre. Maintenant, écoutez-moi, Caroline avait un plan. Oui, la libération des États-Unis d'Amérique. Caroline voulait libérer les États-Unis et s'en servir de base pour délivrer le reste du monde. C'est ce qu'on va faire, peu importe les emmerdes qui nous attendent. Pour Caroline! Putain, Max, arrête d'aider! Pourquoi est-ce qu'il y a une nazie à bord? Parce que sans cette nazie, on serait tous morts alors qu'il est... Donc on la tue pas. Sauf si elle essaie de nous baiser. Tu comptes nous baiser? Non, monsieur. Je ne suis pas une nazie. Plus maintenant. D'accord. Bon. Caroline avait établi un contact radio avec une cellule de résistance à New York. La seule façon d'avancer... En suivant ce plan, c'est de construire des alliances avec des groupes de résistance américains pour mobiliser le peuple et le pousser à la révolte. Grenade anti-sous-marine. Par les poils de cul de Satan, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? J'entends des immersions. De nombreuses immersions. C'est Frau Engel. Quelqu'un peut me dire comment cette garce nous a trouvés? Allez, parle! Quelqu'un transmet votre position directement depuis votre sous-marin. Alors ça, c'est tout bonnement fantastique. Lausmeister reçoit des messages de quelqu'un dans votre sous-marin. C'est comme ça qu'on vous a trouvé. Mais qui, putain? Section F. Quoi? Ok. Ok. Où est-elle? Où est-elle? La voilà, la section F. Mais il n'y a pas de section F. Les cartes ne sont pas à jour, nous avons cherché, mais il n'y a aucune porte à cet endroit. Mais si elle existait quand même, que quelqu'un s'y cachait et transmettait le signal. Allez voir ce qu'il en est. Moi, il faut que je m'allonge. Kendler, venez. Elle doit être là. Déplacez ses casiers. Incroyable. Qu'est-ce que tu vois? C'est soudé de l'intérieur. Engele, hé! Tenez! Servez-vous de ça! Clergus m'a donné des idées d'amélioration. Je l'ai quelque peu modifié. Merci, il m'avait manqué. J'ouvrirai ça quand tu auras fini, mon pote. Ah! William, tu dois trouver le transmetteur et le désactiver, ou les grenades anti-sous-marines vont percer la coque. On s'est trompé. Sur le plan de la section F, il y a quelque chose qui ressemble à une petite buanderie. On a essayé de la trouver quand on fouillait le sous-marin que tu avais capturé, mais on n'a pas trouvé la porte d'entrée. Avec tous les problèmes qu'on avait à gérer, je suppose qu'on n'a pas cherché plus que ça. Mais là, j'ai réexaminé les plans. Et il fait référence à un document complètement différent. La carte du département ingénierie de la section F. Je te rappelle dès que je l'ai trouvée.